De la page d'accueil, on peut avoir accès, par le menu contextuel, aux paramètres de Kineo. Dans la page, on va trouver les paramètres suivants. Initialisation machine. Il est possible de sélectionner le moment où effectuer l'initialisation de la machine. Au démarrage du logiciel. Quand on sélectionne le changement de station. Chaque fois que l'utilisateur le demande. Utilisateurs actifs. En sélectionnant entraîneur, on peut avoir accès aux sections suivantes, aux données personnelles. À la section test. À la section protocole et l'enregistrement conséquent. À la section paramètres. Seulement s'il y a un utilisateur entraîneur dans la liste des utilisateurs sélectionnés. Sélection langue. Il sera possible de choisir parmi les langues suivantes, italien, anglais, espagnol, français, allemand, russe, chinois. Une fois sélectionné la langue, il faudra sortir du logiciel et redémarrer l'application pour rendre la modification effective. Enregistrement données courbes. En activant cette entrée, il sera possible d'enregistrer chaque donnée de chaque répétition effectuée avec Kineo. En plus, nous aurons la possibilité d'accéder à l'analyse des courbes de charge. Changement liste session ouverte. En activant cette entrée, on va enregistrer toutes les sections d'entraînement en cours. De cette façon, en sélectionnant un utilisateur actif, on visualisera la liste de training et tests qui étaient en train d'être effectués. Paramètres de fabrication. Seulement le service d'assistance Globus peut accéder à cette section. En appuyant sur la touche Enregistrer, on va enregistrer les sélections effectuées.